Voilà, je mesure 1,75 m pour 57 kg, torque de taille 66, torque de poitrine 84. J'ai été élue Miss Environnement le 28 septembre dernier. Je suis belle, vous le constatez. Je suis Bintou Traoré avec ma couronne. Je suis toute belle, je peux le redire. Bintou Traoré, bonjour. Bonjour. En fait, je me suis trompée. Vous êtes Bintou Traoré, d'accord, et vous êtes la Miss Off Côte d'Ivoire 2013. 2013. Vous regardez votre couronne. D'accord, je vous la rends. Je vous la rends. Merci. Malheureusement, il n'y a pas de concours Miss RTI. Je me serais présentée, mais bon, Miss Environnement, c'est vous. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce matin? C'est un grand plaisir déjà d'être ici et c'est une opportunité de parler encore plus de ce concours qui me tient à cœur et de promouvoir la conscience environnementale une fois de plus. Vous parliez comme ça avant ou c'est quand on est élu Miss Côte d'Ivoire qu'on parle de cette façon suave? Non, déjà, c'est quelque chose qui s'apprend Là, parce je me rapproche de vous pour qu'on partage le micro. D'accord. On aura le temps d'échanger longuement avec la Miss Traoré Bintou. Eh bien, on en saura davantage sur sa vie. Mais pour l'heure, voici la variété musicale qui nous permettra de nous installer. Elle est signée Timothée. Attention. Que Jésus va me lamer, Jésus va me Jésus va me lamer fièrement. Jésus va me lamer fièrement. Là, nous, on croit qu'on s'union. Klonso soube si gelo o ma gengun diri be di fetri ba kun be tra na ni kun ye be kiki kroya fiele kanga bo be di fetri ko o ke kan me anja mu e nja je ba nja mu e nja je ba o bla me wan diri ye be wuri so anu lo ni o kanga bo o ke kan grebo fue mbo kremba ni wan nja mu e nja je ba grang grang gra nja mu e nja je ba o klong 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 nja mu e nja je ba e jo ni na ni wa pe Yamwe, Gribble for a call, Gribble for a Mongotis, Ubakonti, Mongotis, Robo Grise, Ganga, and Anipa, Gling, 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 Yaga, and Anipa, Yaganian, and in your Bible, but so to your boy, I say, Yamwe, Yako, Yamwe, Yako, Yako, Gram, Lames, you know, Cream Lame, Yaka, and I'm getting more consanguine and overflow. Sanga, Kazi, Bam Lame, Fiamo, Kazi, Bam Lame, Jesu, boy, so, Jesu, Bam Lame, Fiamo. Jésus va me laver fièrement. Yam Jésus, il sort d'une bébé pour nous, à moi, il sort de nous. Baba e ya ya e ti ane
De retour sur le plateau de Midi chez nous, c'était bien sûr Timothée, variété musicale proposée par RTI Musique. Miss Euf Traoré Bintou est sur notre plateau. Elle illumine de sa beauté ce beau plateau de Midi chez nous. C'est pas de trop, hein. Comme on le dit en Afrique, trop de viande ne gâte pas la sauce. Tout à fait. Alors, que nous vaut l'honneur de cette visite? Déjà, je suis Miss Earth Côte d'Ivoire et je suis venue me présenter à la nation ivoirienne en tant que la première Miss Earth de Côte d'Ivoire et annoncer aussi mon prochain départ pour le concours mondial aux Philippines. Ah, ça c'est très intéressant, d'accord. Mais Miss Earth, je veux dire, c'est vraiment nouveau ici. Oui. On ne sait pas ce que c'est. Miss Earth, c'est quoi exactement? Miss Earth, c'est un concours de beauté qui a pour but de promouvoir la conscience environnementale, c'est-à-dire attirer l'attention de la population ivoirienne sur les choses qui concernent l'environnement, c'est-à-dire la salubrité, les changements climatiques, ce genre de choses. Mmh. Et vous avez été élue? Oui. Le 28 septembre dernier. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur, à votre avis? Ce soir-là, je dirais que j'étais beaucoup plus calme, sûre de moi. Comme vous voulez être en ce moment. Oui. Sûre de moi, calme. Et je savais ce que je voulais faire. Je voulais devenir Miss Earth Côte d'Ivoire. Et j'avais beaucoup travaillé pour ça. Donc, j'étais beaucoup plus calme et j'avais confiance en moi. Mais justement, je veux dire, quelle est la différence alors entre Miss Côte d'Ivoire et Miss Earth? Je dirais Miss Earth peut être perçue comme la continuité de Miss Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? C'est deux concours de beauté au même niveau, mais Miss Earth a une spécificité, c'est-à-dire la promotion environnementale. Déjà, c'est une Miss, elle doit être belle, mais avec Miss Earth, on fait de la promotion environnementale pour éveiller la conscience des populations. Voilà. Donc, vous venez avec un projet, c'est cela? Oui. Bien élaboré. Et comment vous l'exposez? Je veux dire que c'est rédigé ou c'est fait tout simplement à l'oral. Vous venez là, on vous pose des questions, vous répondez ou vous présentez un projet bien élaboré? Non, il fallait présenter le projet. Déjà, il fallait se pencher sur une région précise au choix. Rien n'a été imposé, rien n'a été fait à notre place. Toutes les candidates ont dû travailler d'arrache-pied elles-mêmes. Donc, j'ai choisi la région du Poro. Je me suis penchée sur la région, j'ai travaillé, j'ai vu les différents problèmes de la région et j'ai monté un projet qui pourrait coller à cette région, comme on dit. Donc, il fallait présenter le projet, expliquer, donner ses motivations, dire pourquoi, comment expliquer et dire qu'est-ce que le projet allait apporter. Waouh. C'était quoi le contenu du projet? On est quand même curieux de savoir. Mon projet portait sur le Jatropha. Il s'intitule « Le Jatropha, une perspective environnementale et économique pour la Côte d'Ivoire ». Donc le Jatropha est une plante qui peut produire du biocarburant et qui peut aussi permettre la fertilisation des sols et maintenir la structure des sols. On sait que la région de Korogo est sujette à beaucoup d'érosion compte tenu du climat, du vent, de l'eau, ce genre de choses. Donc j'ai préféré présenter un projet qui allait consister à reproduire le couvert végétal avec du Jatropha cette fois-ci. Voilà, afin de permettre aux populations d'avoir des sources de revenus, de produire du biocarburant pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour l'agriculture, afin de réduire de moitié la pollution. Voilà. Wow. Ça fait beaucoup pour moi. Ça fait beaucoup pour moi. Biocarburant, Jatropha. Est-ce que c'est un projet viable? Oui, il est viable. J'ai travaillé avec des experts. En plus, nous étions... C'est vrai que nous avons fait le travail nous-mêmes, mais nous ne sommes pas forcément des experts dans l'environnement. Donc, justement, on a été soutenus par les experts de B-Development, M. Cédric Lombardo, qui est déjà passé sur le plateau de Midi Première, Matin Bonheur, pardon, avec qui on a travaillé. Et nous avons pesé le pour et le contre de nos différents projets. Et bien sûr, il m'a soutenue, comme toutes les autres candidates, dans mon projet du Jatropha. Voilà. Donc, le projet est viable. Il peut être réalisé sur un an, c'est-à-dire le temps de mon mandat, et pourra apporter beaucoup aux populations. Et qu'est-ce que vous avez commencé? Je veux dire, ça fait quelques semaines que vous êtes élue. Et déjà, quels sont les premiers actes que vous avez posés sur le terrain? Déjà, je suis en train de travailler en interne sur mon projet. Parce que comme je l'ai dit, il me tient à cœur de réaliser mon projet. Parce que c'est bien beau de parler, mais il faut mettre quelque chose bien en sûr. Place. Voilà. Donc déjà, nous sommes en train de travailler en interne pour monter le projet. Et travailler en interne toujours sur quelques actions que je dois mener avant mon départ aux Philippines.
Alors, nous sommes en compagnie de Monsieur Taïba. Bonjour. Bonjour, Caroline. Notre invité dans la deuxième rubrique, dans C'est bon à savoir. Tout à fait. Il est coach en développement personnel. Alors, vous écoutez, tout comme moi, Miss Earth, j'ai failli dire Miss Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous avez participé aussi à Miss Côte d'Ivoire. On va quand même revenir là-dessus. Vous avez certainement une question à lui poser. Bon, je pense qu'elle aurait pu gagner le concours de Miss Côte d'Ivoire quand même. Elle est très belle et elle est beaucoup intelligente. J'apprécie ça. Très intelligente, femme de vision. Mm-hmm. Elle sait ce qu'elle veut. Et ça, c'est vraiment important. Waouh. Merci. Waouh, c'est gentil. Femme de vision, très intelligente. Ouais. Mais je veux dire, par rapport aux deux concours, parce que vous m'avez dit, lorsqu'on préparait cette émission, que vous avez participé à Miss Côte d'Ivoire, et c'est de là que vous avez été qualifiée d'office pour Miss Earth, c'est bien cela? Oui, c'est cela. D'accord. Mais en thème de challenge, je veux dire, qu'est-ce que Miss Earth apporte ou représente face à Miss Côte d'Ivoire? Comme j'ai dit, Miss Earth Côte d'Ivoire et Miss Côte d'Ivoire sont deux concours qui peuvent apporter beaucoup à une jeune fille qui s'y présente. Tout dépend de quels sont ses objectifs. Okay. Miss Côte d'Ivoire est un concours assez représentatif. Il y a plus de poids? Oui, mais pas forcément plus de poids. Les deux ont une grande importance parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a besoin d'un symbole, c'est-à-dire la Miss Côte d'Ivoire, l'emblème, ce genre de choses. Et avec Miss Earth, elle est aussi le symbole d'un pays, mais elle est plutôt portée sur l'environnement. Voilà. D'accord. Côté jardin secret, ça nous intéresse. D'accord. Vous avez 20 ans. Oui. Vous êtes étudiante. Vous êtes belle. Vous êtes Miss. Vous avez un petit ami. Non. Miss Earth Côte d'Ivoire est célibataire. Non, je n'ai pas demandé si vous êtes mariée. Hein. Je n'ai pas vu la bug, je n'ai pas vu l'alliance. Je demande si vous avez un petit ami. Non. Regardez cette caméra, tout droit devant vous. Non, Miss Earth n'a pas de petit ami. Il est vrai qu'en tant que jeune fille de mon âge... Un grand ami alors? Non. Non. C'est vrai que généralement toutes les jeunes filles de mon âge ont un petit ami, mais moi je suis plus portée sur mes études et aussi sur mon mandat de Miss Earth que j'ai découvert, qui m'intéresse beaucoup et je me donne beaucoup pour cette année en fait. Et bien sûr, en tant que femme, j'espère pouvoir fonder un foyer et me marier, mais ce n'est pas l'autre du jour. Ce n'est pas la priorité. Non. D'accord. Les études d'abord. Les études d'abord. Les objectifs. Oui. Ensuite, le mariage. Voilà. Et si ça vous tombait comme ça là-dessus, vous vous rendez compte, c'est vrai, vous n'êtes pas encore allé en Philippines pour le concours mondial, mais vous vous rendez compte que vous êtes éperdument amoureuse d'un homme et vous le regardez droit dans les yeux, vous dites, non, je suis sûre que c'est lui, il vous demande en mariage. Ben voilà. Quelle serait votre réaction? Le mariage, c'est une grâce divine en plus. Et pour se marier, je pense qu'il ne faut pas se presser. Il faut savoir prendre son temps. C'est quelque chose qui se décide à la longue. On doit savoir peser le pour et le contre. Donc, je ne pense pas que si quelqu'un vient me demander en mariage, là, tout de suite, je vais lui dire oui, tout de suite, on se marie. Il faudrait savoir à qui j'ai affaire, qu'est-ce qu'on peut faire. Il faudrait aussi, pour moi, avoir l'accord de mes parents, leur bénédiction. Tout ça, ça compte. Et ce sont des choses qui prennent du temps. Miss Earth. Je peux vous dire quelque chose? Oui. Je suis sûre et certaine qu'au sorti de cette émission, vous aurez des demandes en mariage. Justement, il le disait, vous êtes belle et vous êtes intelligente. Ouais. Waouh, c'est superbe. Ouais. J'ai même plus envie de poser d'autres questions. J'ai plus envie de vous demander quoi que ce soit. J'ai envie de mettre un thème à l'émission tellement... Franchement, c'est un agréable plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes calme. Vous avez dit que c'est une qualité qui vous a profité, qui a joué en votre faveur lors des élections. Malheureusement, lors des élections Miss Côte d'Ivoire, Aïssatou Dia était là. Elle avait beaucoup plus d'assurance. Oui. De toutes les façons, elle est aussi belle et on est fiers d'elle. Et vous allez nous représenter. C'est ce qu'il faut retenir au concours mondial. Il y a eu des critères de sélection. Est-ce que c'est tous les pays où on a retrouvé, où on retrouve une Miss Earth, c'est tous ces pays-là qui seront représentés au concours? Oui, il y a plus de 110 pays qui vont participer cette année, la Côte d'Ivoire y compris. Et je tiens à préciser que c'est la première fois pour la Côte d'Ivoire, autant que c'est la première fois ici. Donc je demande à la nation ivoirienne de me soutenir, de m'accompagner et surtout de prier pour moi afin que je puisse revenir au pays avec la couronne de Miss Earth Monde. C'est sûr qu'on va vous accompagner, mais comment voulez-vous qu'on vous accompagne?
on vous accompagne comment? On va aux Philippines avec vous, on vous envoie un peu d'argent, on vote pour vous. Dites-nous, non, on se déjà, dit tout. Hein. Déjà, il faudrait voter pour moi. Pour voter pour moi, il faut se connecter sur la page Facebook Miss of Côte d'Ivoire 2013 et aussi suivre les instructions, c'est-à-dire aimer les différentes pages qui viennent du concours mondial. En griffe, il y a un concours Miss Surf Eco Beauty sur la vidéo envoyée au concours mondial et sur des photos Miss Photogénique. Okay. Donc, il faut voter. Et aussi, il faut voter, pardon. Et c'est ces différentes notes-là qui vont compter pour la note finale, en plus de ma prestation. D'accord. Alors, comment vous préparez? Il ne va pas falloir donner tout, hein? Parce que nous sommes suivis à travers le monde. Et là, je veux dire, vos concurrentes risquent de vous piquer certaines idées. Mais donnez juste un peu. Quelques d'accord, idées. La base. D'accord, je prends des cours de marche et je prends aussi des cours de diction. Voilà. Des cours de marche et des cours de diction. Voilà. Bon, pour les cours de diction, je pense que ça va. Voilà. Il y a peut-être quelques petits efforts à faire. De toutes les façons, moi, je ne dirais pas que j'ai une plus belle diction que vous. Mais les concours de marche, levez-vous s'il vous plaît et puis on va voir ce que ça donne. Excusez-moi. Là, vous faites un tour comme ça, vous venez dans le U et puis voilà. Dans le... Oui, là vers moi, vous retournez, vous faites face à la caméra, vous souriez comme si on était au concours. Voilà. On peut l'applaudir, hein? Ah ouais. Elle le mérite bien. Et on espère bien qu'elle va nous revenir avec la couronne. On l'attend. Hein. J'espère aussi. Vous espérez. Vous comptez sur quoi? Sur toutes les qualités que je possède, c'est-à-dire mon charme, ma beauté, mon intelligence, ma confiance en moi et surtout sur Dieu. Waouh, j'aime bien cette partie du film-là parce que sans Dieu, rien n'est possible. On n'est rien sans Dieu. Voilà. Et avoir cette fibre en vous, c'est sûr que vous irez très loin. Quel serait votre message de fin à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui vous suivent? J'aimerais dire merci, merci avant tout. Et j'aimerais dire aussi aux Ivoiriens, surtout aux parents de toutes les candidates, de nous faire confiance. Surtout à moi, parce que maintenant, je fais partie du comité Miss of Côte d'Ivoire. Miss of Côte d'Ivoire est un comité qui vraiment respecte la femme en tant que telle et surtout permet de promouvoir la conscience environnementale, ce qui est important. Sans environnement, il ne peut pas y avoir de vie ni de développement, surtout pour nous, les pays africains, dits pays en développement. Voilà. C'est vrai que ça aurait pu servir de point final à notre entretien, mais j'ai tout de même envie de vous demander quel est devenu votre quotidien depuis votre élection. Je travaille. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les amis ont changé? Non. Est-ce que le regard de la société sur nous a changé? Est-ce qu'on se comporte différemment avec les frères et sœurs? Non. Déjà, côté famille, je vais commencer par là, parce qu'ils sont toujours là avec moi, ils me soutiennent, et les choses n'ont vraiment pas changé. Je fais toujours la cuisine avec ma mère, je tiens à préciser. Wow. Côté vie pratique, je travaille beaucoup plus, je suis très investie à Miss Surf, donc tous les jours... Vous êtes dans quel domaine? J'étudie la communication. La communication, voilà. À l'université? Oui. D'accord. En quelle année? Je prépare ma troisième année. D'accord. D'accord. Et plus tard? Qu'est-ce que vous voulez faire? En dehors de tout ce qui est question environnementale? Déjà, j'étudie la communication, donc je tiens à me lancer dans ce domaine, devenir une personne vraiment très connue dans le domaine de la communication. Peut-être, pourquoi pas avoir mon propre journal, ce genre de choses. Et le métier de présentatrice, ça vous intéresse? Il m'intéresse. Vous faites une bonne présentatrice, je crois. Merci. D'accord, on vous souhaite bon vent. Merci. Tout peut partir de là. Je veux dire que la communication, c'est vraiment vaste. Oui. On vous le souhaite aussi. On aimerait bien sûr voir ce beau visage à l'antenne tous les jours. Merci. Bintou Traoré, ça a été un véritable plaisir de vous avoir sur ce plateau. On vous souhaite bon vent. Toute la Côte d'Ivoire est avec vous. Dès que vous avez besoin de nous, revenez sur le plateau. Dites-nous comment on peut encore vous accompagner pour que vous soyez la Miss Monde Environnement. Et puis, que Dieu vous accompagne, vu que vous êtes croyante. Merci. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Merci beaucoup. Agréable journée à vous. Merci. On va lui dire au revoir. Oui, au revoir et puis surtout, beaucoup de confiance. Ayez confiance en vous. Soyez sûrs de vous.
Voilà. C'est possible, vous pouvez gagner ce concours si vous avez vraiment confiance en vous. Voilà, d'accord. C'est ce que je peux dire. Mais elle a quand même confiance en elle. Oui, mais il faut... Il y a encore un travail à faire. D'accord, vous le voyez à la fin de cette émission, d'accord, parce qu'il est, il est coach en développement personnel. Voilà. D'accord. Je me dis simplement que ça dépend des circonstances. Voilà, on peut avoir confiance en soi, mais devant certaines circonstances, c'est ça peut changer. Donc, il faut garder cette confiance-là. Il faut maximiser toute la confiance qu'on a en soi. Je pense que vous pouvez gagner. Vous avez des qualités, vous avez les atouts qu'il faut, et je pense que vous pouvez gagner ce concours. Wow. Voilà. Wow. Merci beaucoup pour vos conseils. D'accord, je vous en prie. Voilà, respiration musicale aussi pour accompagner Bintou Traoré, Boni Niaoré. Voilà, ça rime. On se retrouve dans quelques instants sur ce plateau. Nyama, nyama. Oh, siama, siama. Kamola oe yo yeke makoni Sima kamola yere gam Atia nyame dezu na yo yeka no insere na vovoe Vovo na mi ui yuela oe Oh siyama Vovo na mi ui yuela oe Abala yo aja goda wali Sa jua kunyu wa bala yu aja godo wodi siama e siama e siama e wa bala yu aja godo wodi De retour sur le plateau de Midi chez nous, notre invité, vous l'avez déjà découvert au cours de l'entretien avec Miss Earth, Monsieur Serge Taïgba. Il est coach motivateur en développement personnel et entrepreneuriat. C'est ça. Bonjour. 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 Oui, bonjour, c'est ça. Vous allez bien? Très bien. Très d'accord. Bien, merci. Aujourd'hui, avec vous, on a décidé de parler de développement personnel. Développement personnel et entrepreneuriat. Tout à fait. Ben, c'est une combinaison... qui marche peut-être, mais qu'on ne connaît pas suffisamment. Tout à fait. C'est le développement personnel, c'est un prérequis pour, mm-hmm, pour réussir sa carrière d'entrepreneur. Mm-hmm. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Mm-hmm. Tout le monde veut entreprendre, on veut faire du business, on veut faire les affaires. Mm-hmm. Mais en réalité, si on n'est pas développé, on ne peut pas développer une entreprise, on ne peut pas développer un projet, on ne peut pas développer une affaire. Donc, ça commence d'abord par soi. Mm-hmm. Il faut se développer, il faut travailler sur soi-même, sur son caractère, sur sa personnalité et ensuite, on pourra développer tout ce qu'on aura à initier. Voilà. Mais je veux dire, le développement personnel, c'est vrai qu'on l'entend, on croit même le savoir. Vous, en tant que coach, comment vous le définissez? Ben, je le définis simplement
en disant que c'est le fait pour une personne de déployer ses valeurs d'abord morales et aussi caractérielles, c'est-à-dire sa personnalité, dans le but de pouvoir atteindre des objectifs. Voilà, c'est-à-dire tout ce travail-là se fait dans le but d'atteindre une certaine performance dans la vie. Voilà, parce que là, on parle d'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est, je ne sais pas si vous me permettez, bien en même sûr, temps, allez-y. Voilà. Allez-y. Entreprendre, c'est initier un projet, une activité génératrice de revenus. Voilà, donc on veut faire de l'argent, on veut faire de la richesse, on veut développer une entreprise, on veut apporter de la valeur, on veut apporter un plus dans la société, dans le monde. Et je veux dire, pour pouvoir faire ces choses, pour pouvoir réussir un tel projet, de telles initiatives, il faut d'abord se développer. Voilà, il faut se développer, il faut avoir des atouts, des caractéristiques, il faut avoir des valeurs. Justement, voilà. Quelles sont ces caractéristiques? Parce que vous avez dit des valeurs morales et des valeurs caractérielles. Tout je veux à dire fait. Que c'est quoi exactement? En réalité, c'est un travail. Moi, j'ai l'habitude de dire que chaque être humain a des valeurs. Voilà, chaque être humain a des valeurs, chaque être humain a des capacités, je dirais, extraordinaires. Mais c'est souvent l'environnement, c'est souvent nos expériences négatives qui nous influencent au point où on ne retrouve plus ces valeurs-là. Vous voyez? Et donc, le but du développement, c'est de pouvoir ressortir ces valeurs-là. Vous voyez? Quand je parle des valeurs, je parle des facteurs de réussite tels que la confiance en soi. Tout à l'heure, j'en parlais à la Miss Earth. La confiance en soi, l'estime de soi. Ça commence par là parce que je dirais même que c'est le fondement. Mais je veux dire, ça commence à quel moment? Parce que vous avez évoqué un problème important. Tout à fait. Voilà, donc par rapport aux circonstances de la vie. Oui. Donc, qui ont eu une influence négative sur nous. Tout à fait. Donc, ces circonstances peuvent nous faire perdre confiance justement, en nous. Justement. Et ça commence déjà par une prise de conscience. C'est là que tout commence. Il faut prendre conscience qu'on a besoin de se développer. Voilà. Il faut prendre conscience que longtemps on est resté dans un, je dirais, dans un engrenage, dans un trou. Et arrivé un moment, il faut dire bon, ok, pendant longtemps je suis resté là, j'ai pas porté les fruits, j'ai pas produit du résultat. Il faut que ça change. Mais à quel moment de la vie on décide de se poser ce genre de questions? À un moment où on rencontre des personnes comme nous. Qui nous ouvre les yeux, voilà, en lisant un livre, en regardant la télé comme aujourd'hui, quelqu'un regarde la télé aujourd'hui, se dira, ah, mais je ne savais pas que c'était possible, je pouvais changer, je pouvais apporter de la valeur à ma vie et puis aux personnes autour de moi. Vous voyez, donc ça commence par là, par une information qui crée un déclic et après ça, on se dit, ah, il y a quelque chose qui peut se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est celui, par exemple, vu qu'on est en Afrique, il y a beaucoup de choses, il y a des problèmes de sorcellerie qui se lève et qui dit, franchement, moi, dans ma famille, personne ne réussit. Avec tous les efforts que je mets en place, c'est vraiment pas évident que je réussisse. Donc, autant ne pas fournir d'efforts. Oui, c'est des cas auxquels vous êtes aussi confrontés. Oui, ça arrive même pas plus tard qu'hier. Je parlais avec quelqu'un qui avait ce genre de pensée. Je lui ai dit qu'on allait lui faire un nettoyage mental. C'est ce que je lui avais dit. Je parle du nettoyage mental parce qu'il y a beaucoup de mauvaises conceptions les personnes ont et il faut les débarrasser de ça. Vous voyez, donc il faut faire une certaine cure. On parle de cure et des intoxications, mais ça, c'est des cures mentales pour nous débarrasser de tout ce qui est mauvaise conception, de mauvaise mentalité, de mauvaise croyance, ces choses-là. Il faut s'en débarrasser. Quand vous dites que... Et on s'en débarrasse comment? On s'en débarrasse au travers de coaching, de séances de coaching, de formation, d'entraînement, d'apprentissage. C'est beaucoup de choses. C'est tout un processus et ça prend souvent du temps. Mais il faut payer le prix. Moi, je pense qu'il faut payer le prix. Ouais. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, c'est est-ce que pour entreprendre, on a forcément besoin de se faire encadrer en matière de développement personnel? Ah oui, je dirais, ça dépend. C'est une étape importante. C'est une étape importante, c'est presque indispensable parce que tout dépend de où vous voulez aller. Mais quel est le lien?
C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, pour entreprendre, on a besoin d'être développé. Tout à fait. Donc, on doit passer par une cure. Ah oui. une cure mentale. Oui. Mais je veux dire, quel est le véritable lien? Parce que quelqu'un peut dire, c'est vrai, j'ai connu beaucoup de mauvais, j'ai connu des échecs au cours de ma vie, ça a eu une influence pour moi, mais ça me donne quand même d'être mentalement fort, ça me donne d'avoir la carrure nécessaire pour aller de l'avant. Tout dépend. Je pense que il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on appelle le processus d'amélioration continue. Voilà, ça veut dire que on peut être meilleur, on peut être bon, on peut être quelqu'un de qualité, mais on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux que là où on est. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce n'est pas une question de dire j'ai des valeurs, je peux. De toute façon, il y a ce qu'on veut faire. Vous voyez? Il y a la destination qu'on veut atteindre, mais la route pour atteindre cette destination-là, on ne la connaît pas forcément. C'est clair. Parce qu'on ne l'a jamais emprunté. Donc, il faut s'adresser à quelqu'un qui est passé par là pour nous conduire. C'est plus sage. Vous voyez, parce que si vous... Là, je vous dis tout à l'heure, je vais à Paris. Je connais Paris. Je vois Paris à la télé. Je sais que Paris, c'est un avion qu'il faut aller, qu'il faut emprunter pour y aller. Mais je ne connais pas la voie. Je vais m'adresser à un pilote. Je vais m'adresser à une compagnie aérienne qui va me dire, bon, voilà la voie qu'on emprunte pour aller à Paris. Moi-même, je ne peux pas me rendre à Paris seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, on parle de la vision, par exemple. Par exemple, le fait de savoir où on va, c'est la vision. Mais la voie pour y aller, il faut quelqu'un pour se faire conduire. C'est indispensable, c'est primordial, c'est capital même. Voilà. D'accord. Donc, pour revenir à ce qu'on disait au début, il nous faut quand même des traits de caractère, oui, pour pouvoir entreprendre. Oui, tout à fait. Et quels sont ces traits de caractère? Vous savez, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Vous allez avoir affaire au stress. Vous allez avoir affaire aux difficultés, aux obstacles, aux intimidations. Il y a beaucoup de choses qui riment avec entreprendre, qui riment avec le métier d'entrepreneuriat, vous voyez. Et toutes ces choses-là, c'est comme des ennemis. Il y a quand même une politique aujourd'hui qui encourage les jeunes à cela. Je suis parfaitement d'accord avec cette politique. Je suis même très ravi et je dis réjoui même d'entendre parler de ça. Mais sur le terrain, les gens se lancent. Et sur le terrain, ils n'ont pas le savoir-faire. Et malheureusement, ils se cassent la tête. Ils se cassent la tête et souvent, beaucoup baissent les bras en cours de route. Voilà. Et donc, parlant des caractéristiques, l'une des caractéristiques qu'il faut avoir, il faut être beaucoup courageux. Il faut être beaucoup courageux parce que, dit comme ça, on peut penser qu'on peut l'avoir. Mais devant les circonstances de la vie, devant les difficultés, ça peut être autre chose. Donc, il faut avoir beaucoup de courage. Voilà. Après le courage, on parle de persévérance, mais il y a une nuance entre les deux parce que le courage, c'est pour commencer, la persévérance, c'est pour continuer. Où est-ce que je veux dire? Ça, c'est très voilà. Bien. Donc, voilà des valeurs qu'il faut avoir. Il faut être quelqu'un de déterminé. Il faut avoir du désir. Là, je les cite comme ça, les caractéristiques. Il faut avoir du désir, il faut vouloir la chose. Voilà, parce qu'il ne suffit pas juste de souhaiter. Souhaiter, c'est différent de vouloir, c'est différent de désirer. Où est-ce que je veux dire? Quand quelqu'un dit souhaite avoir la chose, il est assis, il a les bras croisés. Mais celui qui désire fortement, celui qui désire vraiment de tout son cœur, il bouge. Il bouge, il agit, il pose des actions, il bouge, il fait bouger les choses. Et celui-là, il est difficile à arrêter. Il arrive parfois aussi que des personnes désirent des choses, mais qu'elles ne bougent pas. Ah oui, ça, c'est vraiment dommage. Ça arrive. Ça arrive. Et c'est vraiment dommage. Parce je veux ceci, je veux cela, je vais devenir ci dans tel nombre d'années, mais aucune action. On ne pose pas d'action, je dirais, concrète pour pouvoir atteindre ce but-là. Voilà. Nous, on parle souvent des étapes de la vie. Voilà, c'est des étapes assez claires. On parle d'abord d'être. Vous savez, ce que vous êtes détermine ce que vous faites. Où est-ce que je vais dire? Toutes les actions que l'on pose sont déterminées d'abord parce qu'il est en réalité. Quand vous voyez quelqu'un qui fait des choses qui n'ont rien à voir avec qui il est, on l'appelle soit hypocrite, soit il est faux. Donc ce que vous faites est déterminé parce que vous êtes. Tout à fait. Donc soyez. C'est pour ça qu'on dit être avant de faire. Et quand vous faites, vous pouvez avoir. Où est-ce que je vais dire? On veut avoir des choses, mais on doit commencer d'abord par être, se développer. Développer ses valeurs, développer ses aptitudes, développer son caractère, développer ses valeurs morales, sa personnalité, la confiance en soi. Parce que dans la vie, ce que vous devez savoir, c'est que les gens n'achètent pas vos produits ou vos services. Là, je parle aux entrepreneurs, mais ils vous achètent vous. Ah. C'est vous qu'ils achètent. Ça veut dire quoi exactement? Voilà. Ça veut dire simplement que lorsque vous adressez un client,
vous lui présentez un produit, vous lui présentez un service, le produit peut avoir de la valeur. C'est vous d'abord qu'il voit avant de voir le produit. Voilà. La confiance que vous incarnez, la valeur que vous incarnez, déteint naturellement sur ce que vous proposez. Vous voyez. Donc, c'est important de pouvoir travailler sur soi-même. Même si ce n'est pas, je vais dire que c'est à 100%, ce n'est pas forcément vérifié ou ce n'est pas forcément vrai. Je veux dire que vous pouvez avoir une apparence, comme on le dit, les apparences sont souvent trompeuses. Vous pouvez avoir toutes les aptitudes, vous pouvez avoir toute la confiance, vous pouvez avoir toute l'assurance, vous pouvez avoir le large sourire et vous pouvez vendre des produits de mauvaise qualité. Oui, là, on a affaire à des gens qui sont pas, je dirais, qui n'ont pas de valeur. Ça, c'est différent. Voilà, là, je parle des gens qui ont des valeurs, des personnes qui ont décidé d'apporter de la valeur ajoutée. En entrepreneuriat, on dit que, on en parlera peut-être une fois, on dit qu'il est important de comprendre que le but d'un projet, ce n'est pas de gagner de l'argent. Le but premier, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est d'apporter des solutions. C'est d'apporter de la valeur ajoutée. Et quelle est la différence? Voilà. L'argent, ça vient forcément lorsqu'on apporte des solutions. Voilà. Parce que je sens qu'il y a des téléspectateurs qui vont se dire, mais celui-là, est-ce qu'il connaît nos problèmes? Est-ce qu'il est au fait de nos réalités? Oui. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Mais ce que je dis est vraiment profond. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent me contacter. Peut-être que je donnerai le but, ce n'est pas de chercher de l'argent. Le but, ce n'est pas de chercher de l'argent. L'argent se rattache toujours. Vous connaissez la citation biblique qui dit que l'ouvrier mérite son salaire. Tout à fait. Lorsqu'on travaille, on a forcément un salaire. C'est un principe de la vie. Donc, il ne faut pas chercher de l'argent. Il ne faut pas que la recherche de l'argent soit votre objectif principal. Objectif principal. Chercher à apporter de la valeur dans la vie des gens. Chercher à apporter des solutions. Récemment, j'ai écouté un orateur qui disait « L'argent se trouve dans des problèmes autour de nous. » J'ai bien aimé ça. En chaque problème, il y a de l'argent. Lorsque vous voyez des ordures dans la rue, c'est un problème. Certains prennent la décision de critiquer. D'autres se disent, ah, ça c'est un problème, je peux trouver de l'argent avec ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma brouette, je prends la saleté, on me paye pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans chaque problème, il y a de l'argent. Donc, il ne faut pas se dire, je cherche de l'argent. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux apporter? Quelle est la valeur que je peux apporter aux gens? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre les problèmes des gens? Et quand je résous les problèmes des gens, naturellement, ils m'y payent. Si vous observez bien... Donc, je veux dire que c'est sur ces bases que doivent naître les idées d'entreprise. Les idées d'entrepreneuriat, voilà. Effectivement, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que les idées viennent. C'est interroger par rapport à ce qu'on a autour de soi, par rapport aux besoins. Il faut pouvoir identifier les besoins des populations. Il faut peut-être partir même de sa propre expérience. Voilà, j'étais dans telle situation, je me suis rendu compte, j'avais besoin d'unité, je me suis rendu compte qu'il fallait parcourir plusieurs mètres pour en avoir. Alors, certainement que dans mon immeuble, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. Pourquoi ne pas installer à proximité une cabine, par exemple? Je veux dire, c'est un exemple parmi tant d'autres. Simplement. Récemment, il y a mon épouse qui était allée, on a aménagé d'un nouveau quartier, et elle était allée s'adresser à des vendeurs de viande. Voilà. Et elle voulait faire hacher la viande parce que la machine n'était pas, en place. Donc, elle voulait faire hacher la viande. Il se trouvait qu'il n'y avait pas de personnes qui faisaient hacher la viande dans l'environnement proche. Où est-ce que je vais dire? Et les personnes qui le faisaient étaient à plusieurs kilomètres. J'ai dit, mais comment ce monsieur-là le fait pour ne pas savoir que c'est un besoin qui existe et qu'il peut trouver une machine pour pouvoir faire ça et se faire de l'argent, vu qu'il n'y a personne dans l'environnement qui le fait? Oui, les choses comme ça. C'est ça. Tout ça, ça part. C'est dans le développement personnel que toutes ces choses-là vont naître. Oui. C'est dans le développement personnel que toutes ces choses-là vont naître. Parce que lorsque vous commencez à vous développer, vous commencez à avoir de la créativité. Vous commencez à avoir de la créativité. Vous commencez à être quelqu'un d'étonnant.